française, français, française. Voici les vidéos du 4 juillet 2009. 9, pardonnez-moi. Car je ne suis pas ici au Québec, mais chez vous. Pour si peu de temps, mais j'ai mis mon béret. Enfin, c'est pas vraiment un béret, c'est un sous-vêtement. Parce que j'en ai pas mal de béret. Alors regardons les vidéos du 4 juillet 2009. Eh bien, mesdames et messieurs, nos studios sont de plus en plus exigus. Oups, pour ne pas dire étroits. C'est similaire, c'est semblable. Mais nous allons nous en sortir parce que c'est la dernière heure de l'errance rénaldienne du 4 juillet 2009. J'espère que tout va très bien de votre côté. Je vous rappelle et je vous redis que c'est un enregistrement. Eh oui, parce que je suis, à l'heure qu'il est, Paris, France! Non, c'est Paris, France, pas New York. Oh, ok, ouais. Excusez-moi. Je me suis trompé dans mes éléments et dans ma géographie. Alors donc, cette semaine et ce jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons et lèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, la moindre fissure, la moindre embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot... Moindre couture. Moindre couture, non. Non, le mot, c'est pas ça. Non. Moindre couture. Pas du tout. Pas du tout. Je crois que, sincèrement, tu te laisses aller, mon champion. T'es un peu comme un navire qui s'échaise. Un navire perdu dans le Pacifique, l'Antarctique ou le Nil. Quoique le Nil, c'est assez... Lui aussi, comme nos studios exigus. Hein, c'est tout petit, la planète est très loin. Sincèrement, oui. Tu te laisses aller, mon champion. Pardon? Ah, tu vois, il n'est même pas capable de finir ses phrases. Ça prouve qu'il a besoin, non pas d'une semaine... Non pas de 2 semaines, non pas de 3 semaines, mais 20 ans de vacances. Allons-nous lui octroyer? Je sais pas, on est sur le bord. On en parle, moi puis moi-même, et on se dit que... Il est malade, t'entends? Il est malade, très malade. Alors donc, le mot qui nous servira d'improvisation... Et j'espère que tout va bien, car ne t'en fais pas, non, ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois. D'abord on dit rien, puis on se dit tout, on a peur du chien et on a peur du loup. Ne t'en fais pas, non, ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois. D'abord on est rien, puis on est toujours tout. Bon, ok, alors le mot. Oh, juge! Juge! Alors, monsieur l'insignifiant, monsieur le plaidoyer, mon avocat, monsieur le bras d'honneur, je tiens à m'excuser infiniment pour la deuxième bouteille de vin que j'ai fait rentrer illégalement dans les belles villes de Québec. Je me rétracte. Et je vous le donne, monsieur le juge, monsieur le bras d'honneur, vous pouvez en boire à mon honneur, comme le bras le... Je ne recommencerai plus, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, devant tant de larmes, le juge, que fit-il? Il ria. Non, ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois. D'abord on dit rien, puis on se dit tout, et à genoux on lui mentionne de prendre la bouteille. Mais lui, il se dit, écoute mon jeune, je suis juge depuis des années. Et pépé, personne m'a offert une bouteille de vin. Mais je. Et monsieur, là, il reste juste 20 minutes. Je, la. Et monsieur.
C'est une chanson africaine, ça. Je joue la la, je joue. Fais part, non, ne t'en fais pas. C'est toujours comme ça, la première fois. D'abord, on dit rien, puis on dévague partout. On dévague partout. On divague peut-être partout, mais on peut pas divaguer partout. Impossible. Enfin. Moi, Rénal de Gagné, courriel rénaldequebec@commercial.com, je vous le dis, je vous le mentionne, selon moi, qui a la science influe, la science qui vient tout seul, un peu comme le reste. Monsieur le juge, vous savez que je croyais que c'était deux bouteilles de vin que j'avais le droit de ramener de la Paris Hilton, la poupée. C'est une poupée qui fait non, mais monsieur, je me suis rendu compte que même elle m'a dit non. Donc, j'ai ramené dans la folie et la plus intense, monsieur le dromadaire, monsieur le juge, monsieur Chaud. J'ai ramené la bouteille en question, mais en fait, je ne sais pas compter. Je suis qu'un itinérant du savoir. Je ne suis qu'un itinérant. Allez-vous m'envoyer en prison? J'aimerais bien ça le dimanche parce qu'on peut se faire venir un lunch, hein, s'il vous plaît. Oh non, excusez-moi, j'étais en plein dérapage intellectuel. Je ne veux pas y aller pendant mes vacances. J'ai assez payé cher. Regardez mon visage. De quoi il a l'air? Hein? De quoi il a l'air? Regardez mon visage. Oui, oui. De quoi il a l'air? Ben là, à vrai dire, lorsque je le regarde, il va pas très bien, hein. Il a des petits cuticules au niveau de la pupille. Saviez-vous ça, vous? Plus elle plie, plus elle pupille.